une jeune fille de 30 ans sur votre photo, et là, vous êtes une vieille pomme, je suis désolé, ma bonne Ah, je dame, suis une mais vieille pomme, mais toi, il faut arrêter de mentir sur la marchandise. Mais arrêtez de toi, mentir t'es un sur la vieux pervers, marchandise. en vérité, t'es un vieux Mais je suis pas un pervers, en pervers. vérité. J'ai rien de pervers. Juste, je suis un homme qui a du goût, qui aime les femmes plus jeunes, les femmes séduisantes. C'est quoi, ça? Oh, cool! Top! T'emmerdes pas à t'essuyer, je vais t'essuyer avec ma langue. Ah, oh, je loupe pas une miette. On y va! Suivez le bistop de Riri. Ah, c'est pas fini là. On met de l'énergie, on met de la patate, de la dynamique, elle est possible. On y va. Oh là là, le fragile, arrête de t'asseoir. Attends, la map est finie là, dans 2 minutes. Voilà. J'ai quitté le navire. Emote fragile, s'il vous plaît. Eh oh, Phoenix, t'es un duelliste, tu devrais me carry normalement. Par ma famille. Mais même normalement, t'es censé, comme t'es une demoiselle, tu peux changer jouer support avec moi. Oh non, non, s'il vous plaît. Pas encore. Le retour. J'ai changé de compte, de voix. Ben, je voulais savoir, est-ce que t'as la moule qui coule, Ben? Non. Non, pitié, non. Ça va, parce que t'as les audits et j'ai vu des photos de toi et... Ah, tu t'es raté. Ouais, dommage. Je suis vraiment cruel. Vous la dégustez la game quand même, non? Non, c'est ok. Oh, dommage. Je suis vraiment trop fort. Oh, je m'aime, je bande en me regardant. Je suis en train de regarder mon écran OBS et je me m'auto-kiffe. Comment je vais exploiter ce contenu sur les différents shorts qui vont sortir, les différents TikTok. Je commence déjà à avoir des images de montage et tout, du mec que j'ai eu, qui pensait vraiment qu'il était débarrassé de moi, et après derrière la reverse que je mets. Oh, je m'aime. Je suis si cruel. Et tous les dons que je ressens en direct en plus, suite à ce troll. En vrai, tu forces un peu trop, hein. Ça pourrait être drôle, mais bon. Tu racontes de bon, Nadia, moi tu sais monter. Bah, j'ai réussi à avoir des nouveaux concerts dans d'autres villes, dans des petites salles. Ouais, c'est bien. Ah bah oui. Ah ouais, mais le problème, les chansons, elles viennent d'où? Tu prends les chansons de qui? Attends 2 secondes, Manu. Ouais. Je t'en prie. Ça va? Ouais, non. C'est juste que j'ai l'espace. Je disais comme question, les chansons que tu chantes, ça vient d'où? Ça vient de qui? C'est ça qui ne fait pas, c'est pas... Et comment elle va, Grenouille? Comment elle va, Grenouille? Parce que la dernière fois que je t'ai vu, elle allait pas tellement bien. Elle est en dépression. Bah, attends, toilette! Attends, toilette! Ouais, parce que j'ai eu. Tout à l'heure, j'ai fait un test par un texte. Et pour être inspiré, je dois absolument faire caca. Ah ouais, non, mais. Oui, mais dans ce cas, c'est bien. Mais t'as. Yo, c'est autonome. C'est la première personne qui va aux toilettes. Mais va. Va là, on sortant des toilettes, Nazim. Parce que c'est quand même personnel. Tu me reprends dès que j'ai fini de faire. J'en ai ouais, non, mais. Là. Promis. Là, j'avoue. Là, promis. Je te promets, Nazim. Je te donne la parole parce que les toilettes, c'est quand même personnel. Donc, Nazim va revenir. Alors là, c'est étonnant. Comment tu vas, Kissou? Ça va? Julie, il ne faut pas copier, pas plagier. C'est vrai. Ouais. Il faut faire preuve d'imagination et de talent. Il chante tes chansons sans ton autorisation. Manu, tu as raison de te faire respecter. Toujours. J'ai des infos parce qu'il faut qu'on se voit entre les quatre. Ouais. Faut qu'on aille manger un tacos là, à Lyon là. Mais je suis toujours au Portugal. Du visage, non? Tu t'es fait du Botox ou ça se passe comment? Sympa. Tu dis ça parce que je t'ai mis dans la miniature en overgrowth? Ouais, je fais comme toi, t'as vu, tu veux me mettre dans la couverture, je te mets autant dans la couverture. Pourquoi t'assumes pas aussi quand je te taille et tu me mets sur YouTube quand je te taille aussi? Là, j'ai ta putain de vidéo, je te garantis, parce que ton monteur, là, ton trou du cul de sa mère, je vais le mettre. Oh, je vais le terminer. Je l'ai même pas vu la vidéo, pour te dire. Il faudrait que je regarde. J'ai vu qu'il y avait la miniature, ouais, t'étais dessus sur la miniature. Tu m'as mis en couverture, espèce de. Ouais, sur la couverture, si, ouais, ça je m'en rappelle. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai mis. Hein. Abuse pas quand même le droit de l'auteur quand même de l'image, t'as vu le délire ou pas parce que tu pousses après, un. Après, on voit plutôt une meuf qui ressemble à une baleine que toi, on te reconnaît pas sur la visée de la photo. Hein. Je vais t'enculer, espèce de. On te reconnaît pas. Des gens.
Mais c'est normal. T'as une tête de nature de la France et la vue de ma mère, tu parles comme un pozo aussi. On dirait un fragile du game du cyberharcèlement d'internet qui se fait victimiser par un goûter, espèce de trou du cul que t'es. C'est un peu normal. En même temps, sois pas étonné que tu viennes sur internet si t'as pas de préjugés, trou du cul que t'es. C'est un peu logique, t'as vu le délire ou pas hein. Rien dit, moi je suis là pour parler et tranquille. Moi je suis là pour parler tranquille avec toi. Et bah vas-y, parle alors. Si t'es une petite nature et si tu te sens agressé, bah t'as vu, c'est pas mon problème après. T'as vu, t'as qu'à pas être une putain de. T'as qu'à pas être une putain de tapette et t'as qu'à pas être une putain de gamine illettrée d'un bonhomme dans le corps d'une putain de qui est encore bien évidemment fragile, tu vois le délire ou pas, ça c'est pas mon problème. Je suis pas une petite nature, je suis pas un petit gars, je suis rien, je suis un homme. J'ai quoi, 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 la ma mère, quoi, sans déconner. Ouais, bah, arrête de parler comme ça, vous. Arrête de parler comme ça, hein. Je vois ton point de vue, tu vois. Mais le point de vue de. En soi, ça te regarde pas vraiment. Si, ça me regarde parce que regarde, moi je dois m'occuper de la santé et de la sécurité des joueurs. Et s'il y a un problème, ce que j'entends, je peux entendre en vocal, par exemple, là, alors, il y avait une détresse de ta fille. Donc non, je voulais savoir ce qui pas se passait, tu vois, elle pleurait. Non, alors ouais, je sais, mais non, mais t'inquiète pas, frérot. Alors, je t'explique parce que tu sais, en fait. Oui, ça arrive qu'elle ait pleuré, t'inquiète, je sais. Mais est-ce que, ouais, voilà, il y a quelqu'un pour s'en occuper ou pas? Parce que je me dis, t'es sur le PC, alors. Bien sûr, il y a la maman. Bien sûr, il y a la maman. Ah, il y a la maman, ben voilà, ça, tu l'as pas dit, ça. On est deux. Dire, ouais, vous inquiétez pas, monsieur l'admin, il y a la maman qui s'en occupe. Ouais, il y a la mère. Vous je suis là, pas, elle carrie pour moi, et voilà, moi je peux jouer tranquillement. Ouais, mais tout, mais non, mais vous inquiétez pas, tout est carré, hein, tout est sur le bah alors, vas-y, bah, du coup, prévu de la maman, elle est là ou pas? Je peux lui parler? Là, juste pour que j'entende sa voix, comme ça au moins je suis sûr. Et comme ça, je vais enlever le rapport sur toi. Ouais, si tu veux. Ouais, vas-y, c'est mieux. Bébé, viens voir. Attends, elle arrive. Parce qu'en fait, en gros. Ouais, au moins, j'ai la preuve et comme ça, j'enlève la note sur toi. Et si tu veux devenir staff, ça va pas te bloquer. Ben non, parce que. Regarde, elle t'entend. Vas-y, parle vite. Ouais, vous m'entendez, madame? Tu l'entends ou pas? Ouais, est-ce que vous m'entendez? J'ai pas que ça à foutre, là. Ouais. Bah, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est-à-dire? En fait, j'ai postulé à un emploi. Parce que j'avais besoin d'un emploi. Et j'ai postulé. Tout à fait. Bon, lave ton écran. Je sais pas si tu connais. Oui, bah, oui, c'est là où je fais de la radio, mais. Non! Oui, j'ai reçu une lettre comme quoi ils peuvent me prendre en stage. Non, non, parce que alors, je vais te dire, non, alors ça m'étonnerait qu'on n'embauche personne. Mais Baptiste, tu fais que des erreurs. Dans ma radio, on n'embauche personne. Non, bah non, oui, mais c'est pas la secrétaire. Faut passer par moi, mon équipe, on n'embauche personne. Donc tu vois, t'as tout faux. Bon, t'es en direct sur TikTok. Et j'enregistre pas tout. T'es en direct sur TikTok. Ah, mais j'en ai rien à foutre d'être en direct sur TikTok. Mais j'en ai strictement rien à foutre. Donc celle-là, c'est une rafle, chers amis. Mais fais ce que tu veux, ma gueule. Ah ouais, carrément ça, ouais. Ah, les gens dans ton live, c'est un gros fils de p***, c'est un pointeur et un la p*** des gamines de 12 ans. Non, attends, c'est qui, c'est la p***? Une petite allô, question. Je vais te poser une mais petite... Mais il arrivait tel une Pokéball, lui, déjà, il m'a tué. Question avec honnêteté. Est-ce que toi, tu trouves ça normal d'envoyer la photo de ta p*** quand t'es en train de te goder à ton mec? Quoi? Attends, je vais répéter, il a dit... Il a envie de se toucher la p*** ou la p***. Il est malade, lui? J'en ai marre, tu vas là-bas. Bah toi, tu décides. C'est quoi, ça? Oh, cool! Top! T'emmerde pas à t'essuyer, je vais t'essuyer avec ma langue. Putain, cochonne. Ah, je loupe pas une miette. Putain. Cochonne. Ou j'ai une vieille dame finalement. Oh non. Une vieille dame, mais tu t'es déjà regardé toi, sérieux Michel, tu t'es attends, déjà regardé. Alors, j'ai vu votre photo, vous aviez l'air d'avoir peut-être la trentaine, bien jeune, bien peu importe, et là vous avez l'air d'une vieille pomme. Mais non, c'est trippée, une photo. Ben, vous ressemblez à une jeune fille de 30 ans sur votre photo, et là vous êtes une vieille pomme, je suis désolé, ma bonne dame. Je suis une vieille pomme. Il faut arrêter de mentir sur la marchandise. Mais arrêtez de mentir sur la marchandise. Mais je suis pas un pervers. Je suis rien un pervers. Juste, je suis un homme qui a du goût, qui aime les femmes plus jeunes, les femmes séduisantes, et pas des vieilles femmes en fin de course. Tout le monde préfère une belle voiture toute neuve qu'une Clio 2 avec 150 000, 300 000 km. Et vous êtes une Clio 2 avec 300 000 km, madame. Mais t'as quel âge, toi, en vérité? T'as quel âge? Mais j'ai 68 ans, moi, et tout va bien. Je suis encore vivace. Et vieux pervers, ne viens pas me faire la morale à moi. Oh non! Okay. Je suis pas un pervers, non. Non, t'es pas un pervers. Les femmes, je les traite avec respect et décence.
Quand elle me voit sur la plage avec ma Rolex, avec mon beau maillot de bain rouge, elles viennent me parler, elles viennent essayer de d'avoir des verres, les demoiselles. Hein, oh oui, elles le font. Ah bah, oui, elles le font, oui. Alors là. Bon, bref, à coup, je t'arrête parce que je vais te massacrer. Tu comprends le délire ou pas? Mais pourquoi t'es blanche? Je suis blanche parce que c'est la lumière, espèce de trou du cul de Rataya. C'est bon ou pas? Non, t'as dû mettre du fond de teint. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire ça. On t'aime bien avec la couleur naturelle. N'importe quoi, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai mis Willou, ta gueule. Je t'ai déjà dit que t'étais jolie en naturel. Les ordres, je vais t'enculer. Mais t'es jolie au naturel, arrête. Bon, tu me veux quoi? Un coup, je vais te niquer ta race. Ça fait un peu comme dans les films d'horreur. Mets la lumière comme ça. Mais pas tant mieux, sale. Tara, t'es toujours en train de me tailler, espèce de pute. Mais je te taille pas, je te kiffe, oh là là. Ah ouais, tu me kiffes? Enlève ta putain de vidéo, alors ton putain de montage de fils de pute, alors tu vois le délire. C'est la monteur, je sais pas pourquoi la vidéo elle est encore remise en ligne. Ton menteur qui nique ta mère, fils de p***. Oh, ton menteur, je le monte en l'air, fils de p***. Je le monte en l'air, fils de chien de sa mère. Dis pas ça, dis pas ça, parce qu'il va prendre, il va enregistrer ça pour le prochain best-of. Dis pas ça. Et bah qu'il l'enregistre, ton menteur, je lui nique sa mère la p***. Je le prends à quatre pattes, je le retourne, ton fils de p***. C'est bon, bah. Ça va clipper, je les connais, non. Eh bah c'est bien, ton menteur c'est un fils de p***, il me branle la ch*** celui-là, ce fils de pute, la tête de ma mère. Non, dis pas. Par contre là c'est en train de m'afficher fort sur Twitch. Hein. C'est bon, on a eu ce qu'on voulait. C'est en train de me faire péter un câble. Hein. Ça l'a calmé les gars. Non, là je vais vraiment aller porter plainte, tu vois, parce que ça vient du harcèlement. Demain, du harcèlement, les insultes. Demain je porte plainte. C'est qui fait ça? J'ai tout screen. Je suis vraiment le meilleur streamer. C'est pour ça qu'on aime la Rius TV, non? J'ai pas l'intérêt. Je suis en train de me faire humilier, je sais pas combien de personnes, Arthur. Je sais pas si t'es au courant là, c'est de plus en plus grave en fait. C'est sur Twitch. Bah, mais on est en train de faire un live sur moi devant 5000 personnes sur Twitch en fait. Je suis en train de me faire rabaisser devant 5000 personnes. Bah, ah, espèce de gros fils de p***, t'enlèves toutes les putains de fils de p***, sur moi, je vais t'enculer tous tes morts en fait. Enlève ta cam. Regarde les messages. Enlève ta cam. Regarde les messages, elle est timbrée. T'es une malade. Moi, je peux plus. Enlève ta cam, arrête, enlève ta cam. T'es en direct sur TikTok. Maintenant, tu présentes tes excuses envers toutes les communautés. Musulmanes, noires, chinois. Tu présentes tes excuses. Écoute, Seb, regarde-moi. Seb, je sais pas. Allez, la raciste. Écoute-moi et ferme ta gueule. Maintenant, et toi, arrête-toi la raciste, maintenant. Ferme ta gueule, écoute-moi. Bertrand, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Elle a été raciste? Ouais, malheureusement, elle a été raciste pour les différentes communautés. Le problème, c'est qu'elle ne pouvait pas présenter des excuses, quoi. Espèce de gros fils de p*** que t'as pas compris, c'est que j'ai une petite sœur qui a la trisomie 21, d'accord? Ma petite sœur, elle est sur TikTok. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, ma petite sœur, elle peut tomber sur ce genre de vidéo, en fait. Est-ce que t'as pas compris? Moi, je m'en fous. Je comprends pas. Mais c'est quoi le rapport? Ma petite sœur, bordel! Mais c'est quoi le rapport avec le racisme? Mais moi je sais, je comprends pas les trucs. Moi je suis pas sûr. C'est pas compliqué, y'a ma soeur sur les réseaux. Attends, c'est bon. On envoie de la force à ta soeur là, y'a des messages d'amitié, y'a des messages d'amour pour ta soeur. Oh, ferme ta gueule, commence pas à parler de ma soeur par contre, parce que là je t'encule, tout est mort et là je vais faire ma putain de raciste. Donc la raciste va s'excuser. Non mais c'est un conseil, commence pas à parler de ma soeur parce que là tu me connais pas. Oui, mais ta soeur. Ta sœur, elle scroll sur TikTok. Au moins, nous, on va la cultiver, ta sœur. Ta sœur, le problème, c'est que sur TikTok, ça va l'abrutir. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste. Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.